nous sommes dans Graphilettres, page 7, et nous allons terminer la page sur le graphisme des ponts et des ponts inversés. Alors, on commence par revoir le sens d'écriture. On part du point rouge, on est légèrement au-dessus de la ligne de terre, et on redescend en arrondi, on touche la ligne de terre, on va remonter bien droit jusqu'à la deuxième ligne dans notre exemple. Puis, on redescend sur ce trait, on repasse le trait. On fait un arrondi qui touche la ligne de terre et on remonte bien à la verticale et ainsi de suite. Voilà pour les ponts inversés. Pour les ponts, nous sommes sur le point rouge. On fait un arrondi qui va toucher la ligne et on va redescendre à la verticale. On touche la ligne de terre, on remonte en repassant sur notre trait, arrondi, je fais un demi-cercle, j'ai touché la ligne et je redescends bien droit. Ainsi de suite, je fais mes ponts. Voyons ensemble les exercices du jour. Nous allons faire ensemble la ligne du triangle, la ligne de l'étoile et la ligne de la croix. Le sens d'écriture est de la gauche vers la droite. On vous fait une petite flèche pour vous montrer. On peut repasser sur le trait pour avoir le rythme et la hauteur. Contrairement à hier, notre écriture doit être plus petite. Je repasse pour ceux qui en auraient besoin. Je le fais également. Et on est parti. Vous avez un léger tracé gris pour vous aider à prendre le rythme. Et ainsi de suite, vous faites vos petits points inversés jusqu'à rejoindre à droite. Je vous montre pour la ligne de l'étoile. Nous allons faire des ponts. Pour prendre le rythme, on peut repasser sur la ligne noire. On prend son temps, on reste concentré, on regarde sa mine. On repasse sur son trait, on redescend arrondi. Je touche la ligne de terre, je remonte sur mon trait. Demi-cercle, bien à la verticale. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à mes lignes ici. Dernière ligne, on recommence des ponts inversés, nous sommes sur la ligne de la croix. Ce graphisme va nous servir pour faire les lettres U, les lettres N, les lettres M, et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à rejoindre le graphisme tout à droite. La correction est sur le blog. Très bonne journée à tous.